congolaises, congolais. Les forces armées recrutent. Pour répondre à la mobilisation générale décrétée par le président de la République et commandant suprême, venez massivement vous enrôler au sein des FARDC pour défendre la patrie. Pour ce recrutement, les conditions exigées sont les suivantes. Être de nationalité congolaise, être âgé de 18 à 25 ans, être célibataire, sans enfant et volontaire, avoir une bonne moralité, avoir fait au moins 4 ans post-primaire, être physiquement et mentalement apte, être sans antécédent judiciaire. La force aérienne recrute les candidats pilotes et techniciens d'aviation et la force navale les candidats fusiliers marins et autres techniciens de la marine. Présentez-vous dans les états-majors des régions militaires, de la force aérienne, de la force navale, au bureau des territoires et partout où se trouvent les structures de l'armée pour se faire enrôler. Pour la ville province de Kinshasa, le recrutement se fait à la grande parade du camp lieutenant-colonel Kokolo et dans les maisons communales de Massina, Mongafula et Barumbo. La patrie a besoin de ses dignes filles et fils pour sa défense. Hâtez-vous. Boya ebele totombola bendele ya mboka na biso. Cinq personnes appréhendées le 1er mai 2023 à Bukavu, au site qui vous parle, l'état-major des renseignements militaires, ont été présentées à la presse. Cette présentation a eu lieu le vendredi 5 mai dernier au quartier général de cette structure spécialisée des FARDC, en présence des ministres de la Justice, des Finances et des Mines. Le chef d'état-major général s'est fait représenter par ses deux adjoints. A noter également la présence du conseiller privé du chef de l'État en charge du secteur des mines. Parmi les personnes arrêtées se trouvent les opérateurs économiques du secteur minier et quelques responsables de l'État. Il leur est reproché la fraude et les trafics illicites de l'or, éléments constitutifs des infractions des crimes économiques. Au moment de leur arrestation, des kilos d'or, des outils de travail et d'importantes sommes d'argent ont été saisies. Toutes ces personnes ont été présentées par le général-major Ekengebo Moussa Sylvain, porte-parole des FARDC. Responsables des services spécialisés, tous impliqués dans la fraude et les trafics illicites de l'or au sud Kivu. Et les hauts cadres de l'État arrêtés comme complices. Ils ont été arrêtés le 1er mai lors d'une opération dirigée par l'état-major des renseignements militaires à Bukavu, au sud Kivu. Lors de leur arrestation, une quantité d'or, comme vous le voyez ici, il y en a d'autres, une autre quantité qui est dans le sac. Une quantité d'or a également été saisie. Il y a aussi de l'argent. Il y a les francs congolais, il y a les dollars, il y a les shillings ougandais, il y a aussi les francs rwandais. Et les francs rwandais sont dans les coffres, puisqu'on n'a pas encore réussi à ouvrir les coffres. Pendant que notre gouvernement se démène pour stabiliser l'économie de notre pays, ces criminels se mobilisent pour favoriser le coulage des recettes, mais aussi la fraude et les trafics de l'or vers le pays qui nous agresse. Leur arrestation est un message fort à l'endroit de tous ceux qui s'adonnent à ces genres d'entreprises dans toutes les provinces. Toutes les batteries sont mises en œuvre pour les mettre hors d'état de nuire et tous seront mis à la disposition de la justice pour subir la rigueur de la loi. Nous allons présenter ces criminels, les opérateurs économiques ainsi que les agents de l'État qui ont été arrêtés, appréhendés par l'état-major de renseignement. Je vais commencer par les opérateurs économiques qui sont ici. Au terme de cette présentation, les autorités présentes se sont exprimées. Il s'agit respectivement du ministre d'État, ministre de la Justice, du ministre des Mines et du ministre des Finances. Féliciter tous les services de l'État et les forces armées dont la collaboration a permis d'arriver à ce résultat. Il s'agit ici d'un grand combat, d'une grande guerre, parallèle à la guerre qui se passe sur le terrain à l'est de notre pays,
Et ce sont justement ces trafics qui permettent de maintenir cette situation d'insécurité à l'est de notre pays. Et nous sommes en train ici de voir comment nos services ont pu donner une réponse efficace pour couper l'herbe sous les pieds de tous ces trafiquants qui alimentent les groupes armés et l'insécurité à l'est de notre pays. Il s'agit également d'une grande avancée dans notre lutte contre le blanchiment, lutte contre le trafic et le blanchiment d'argent. Et nous ne pouvons que nous réjouir de ce résultat. Comme cela a été dit par mes prédécesseurs, nous sommes en train de mettre en œuvre la vision du chef de l'État et nous demandons à tous les services de l'État et à tous ceux qui ont choisi la RDC comme terre d'asile, terre pour vivre et pour travailler, d'être du bon côté de l'histoire, celle qui est en train de s'écrire en ce moment dans notre pays. Après approfondissement des enquêtes, tous les criminels économiques arrêtés seront mis à la disposition de la justice pour subir la rigueur de la loi. Ces arrestations constituent un avertissement pour tous ceux qui s'adonnent à la fraude et au trafic illicite de nos ressources minérales dans toutes les provinces. L'opération du recensement des occupants du camp lieutenant-colonel Kokolo a été lancée le vendredi 5 mai 2023 par le commandant de la 14e région militaire, le général-major Kizé Momboyo Stazan. Celle-ci a eu lieu au terme de deux journées de formation des recenseurs dans la salle des réunions du foyer social du camp lieutenant-colonel Kokolo. À cet effet, le général Kizé Momboyo a appeler les participants de faire montre de la volonté de travail d'arrache-pied pour parvenir aux résultats escomptés. Présent à cette cérémonie, le commandant du corps de génie militaire, le général-major Ndanga Uzuda Bruno, a, en sa qualité de gestionnaire des patrimoines de l'armée, émis le vœu de voir se moderniser tous les camps militaires des forces armées de la République démocratique du Congo. Il a invité tout le monde à s'impliquer pour la réussite de ces recensements. Il faut moderniser. On a combattu la modernisation, on a, il faut quelque part tout est bas. Et le commune Yamabe et Salama Nakati à Kankokolo. Et le commune Zofala qui est Kankokolo, commune est commune. Et le commune au Kankokolo, bandeko, base militaire, base au panne sous Malamouté. Et le commune Kankokolo, Zalaki, Tangouana, Kaoyo, Zalaki bien structuré. Le Kankokolo est commune, n'a promiscuité. Donc, Batouba commune est belé Nakati à Kankokolo. L'opération de recensement et d'identification des occupants du camp lieutenant-colonel Kokolo. Les militaires et policiers de la garnison de Lubumbashi se sont retrouvés autour du commandant de la 22e région militaire, le général-major Guyangam Tarasmif, pour une causerie morale, le vendredi 28 avril dernier, au camp major Vangou, dans la commune de Kampemba. Après l'inspection des troupes, l'inspection faite par le commissaire provincial ad intérim de la police nationale congolaise du Haut-Katanga, le colonel Ndongo Nzita Christophe, et le passage des troupes en revue par le numéro 1 de la 22e région militaire et le commandant en place. L'aumônier catholique, le capitaine Kisimba, a offert une courte prière pour implorer l'Éternel, Dieu des armées, maître des temps et des circonstances. 5 points clés ont mis l'ambiance, le rendez-vous du jour, à savoir: le respect de la discipline militaire, le rappel des missions traditionnelles des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise, l'apolitisme de l'armée et de la police, la vigilance et le respect des règles d'engagement du droit international humanitaire et du droit de l'homme, avec une mise en garde contre quiconque
oserait détourner les forces armées de la République démocratique du Congo et la police nationale congolaise contre leur mission régalienne et tous les fils et filles du pays véreux qui s'illustrent dans les discours à caractère tribal et discriminatoire tendant à semer la division et le désordre mettant ainsi en cause l'esprit des corps sans lequel aucune armée au monde ne peut prétendre rien faire comme exploit pendant que le commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, le président de la République et chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, ne ménage aucun effort pour l'édification de l'armée, sa modernisation comme cheval de bataille pour la montée en puissance des forces armées de la République démocratique du Congo. L'armée étant le dernier rempart de la nation congolaise et socle de l'unité et de la cohésion nationale, suivant le général-major Guy Angam Tara Smith. Nous, on s'en rappelle, en face, nous savons que nous avons un mot, nous avons en face de la na parole na mission Elo, et la bien yamwe zali rappel, na pour rappeler bino makambo mitano. Ya libosso zali discipline, ya mibale, la mission na biso, mission ya armée, na mission ya police, ya misatu, et pour la rappel na maimatani, caractère apolitique ya armée na police. Ya miei, vigilance. Pour un souka, de relever la mentale, règle d'engagement, comportement de tous sur le terrain. C'est que les armes. Discipline. N'est-ce pas, sans la discipline ou sans la responsabilité. Sans discipline, et à l'armée, et à la police, et quoi qu'il faut s'arrêter. Discipline na kati armée pe la police ezali négociable te. Les respects de la discipline militaire et la politisme de l'armée étaient au centre de la parade générale présidée par le général-major Kalonda Fambakaf, commandant du secteur opérationnel où il est, à l'intention de militaires de l'état-major de cette grande unité de notre armée. C'était le vendredi 5 mai 2023 à l'état-major dit du secteur, situé au camp Ivaza, territoire du Dungu, dans la province du Haut-Uele. Dans sa causerie morale, le général Kalonda a fait la restitution de la mission de délégation de l'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo, conduite par le général-major Chiko Chitambwe, sous-chef d'état-major chargé des opérations au camp Gombari, structure militaire qui doit subir une réflexion adéquate pour la formation des militaires. L'esprit de la discipline militaire doit être appliqué afin d'accomplir notre devise qui est de ne jamais trahir le Congo, a dit le commandant secteur opérationnel Will. Ceux qui sont azali disciplinés, à trahir mboka na yete, à trahir mboka na yete, nangonga oyo yo zali ko se livrer na ba acte oyo zali contraire ya règlement militaire na constitution na biso, wana ozali déjà ko buka miko, ozali déjà ko trahir mboka na biso tolobaka mingi soto tunia ko di non eza ne jamais trahir le Congo, ne jamais trahir le Congo. Mais ce qui totalise si quoi un comportement na biso. En outre, il a exhorté les militaires de son ressort sur la politisme de l'armée. Sont au nombre de 4 ces présumés voleurs à main armée présentés ces jeudi 4 mai 2023 à la 34e région militaire. Ils ont été interceptés avec leur arme de marque AK-47 vers 2h du matin à Kiziba 2 dans le groupement Moudja, notabilité Mouigiroua. Parmi ces 40 voleurs figurent les nommés Bahati Ibra, Bazibouré Innocent, Imani Akilima et
Yvonne Kitumaini, qui avait la garde des effets volés dans les maisons des paisibles citoyens. Ils sont en possession de biens volés, dont des matelas, deux chaises et sept téléphones Android. Le porte-parole de la 34e région militaire, le colonel Guillaume Ndike Kaiko, y revient. Déjà, la population a compris que c'est peut-être à tort qu'on acquise les forces armées de la République démocratique du Congo. Chaque jour que nous mettons la main sur ceux-là qui insécurisent notre population, on constate que ce sont nos frères avec qui nous vivons. Donc la population a intérêt, n'est-ce pas, à dénoncer ceux qui vivent avec elle tout en détenant des armes. Parce que ces armes-là sont un danger non seulement pour les détenteurs, mais aussi pour tous ceux qui sont, tous ceux qui habitent, n'est-ce pas, avec ces criminels. Donc la population a intérêt, n'est-ce pas, à collaborer avec les forces de défense et de sécurité de manière à ce qu'on puisse mettre tous ces fameux bandits hors d'état de nuire et que notre population puisse vaquer librement à ses occupations. La vigilance est recommandée à toute la population pour la sécurisation de la contrée. Rappelons que ce coup de filet intervient au lendemain de la parade du commandant de la 34e région militaire, le général-major Bruno Pezo, à la garnison de Goma. Le 6 mai 2023, à Kimoka, dans le territoire de Massissi, en province du Nord Kivu, le tribunal militaire garnison de Goma siégeant en chambre foraine a rendu le jugement dans l'affaire de meurtre de M. Bazouzi Mutumai, assassiné par Olivier Ategetimana le 3 mai dernier. Cet élément du 112e bataillon était accompagné d'un de ses coéquipiers. Le président du tribunal militaire garnison de Goma, le major magistrat Amsin Boulaïm. Ategetimana Olivier, le tribunal le condamne à la peine de mort pour meurtre, à la peine de mort pour violation des consignes dans une province sous état de siège, faisant application de l'article 7 du Code pénal militaire, et condamne le prévenu au paiement de la somme de 6 000 dollars américains, équivalent à monnaie à bout légal à la République démocratique du Congo, et cela à titre de dommages et intérêts pour tous les préjudices civils. Une sentence saluée par les habitants de la contrée qui voient la restauration de la justice. Et vraiment, de ce que le gouvernement vient de faire, vraiment, ça vient d'inculquer dans nous au moins l'espoir de dire que nous, on considère nous comme une population. Le fait qu'on croyait que non, on peut tuer n'importe comment, n'importe quand. Et voilà qu'aujourd'hui, on vient de nous montrer que la vie humaine est sacrée au juste. On signale fort et ça nous montre encore une fois que l'état des droits est encore dans notre pays. Vraiment, nous sommes réjouis. Pour le porte-parole du gouverneur militaire du Nord Kivu, le lieutenant-colonel Guillaume Ndike Kaiko, cette sentence pédagogique s'inscrit dans le cadre de la lutte contre l'impunité prônée par le gouverneur du Nord Kivu et commandant des opérations qui veut de cette manière amener les FARDC à la victoire concrète sur la guerre d'agression. Cette sentence qui vient de tomber, c'est une sentence pédagogique qui doit servir à tous les éléments des forces armées de la République démocratique du Congo, d'une manière générale et plus particulièrement à ceux qui sont engagés dans les opérations de traque contre l'armée rwandaise qui opère sous le label de M23 dans notre zone de responsabilité. Accusés de meurtre et de violation des consignes, les condamnés avaient plaidé coupables lors de l'audience. La présence
présidente de l'Association nationale des épouses, enfants, veuves et orphelins des militaires et policiers, Tina Moulimbi, s'est entretenue tour à tour du vendredi 28 au samedi 29 avril 2023 avec le veuve et orphelin du camp lieutenant-colonel Kokolo et du camp lieutenant-pilote Mbaki à Kinshasa. Dans sa gibecière, Madame Tina apportait des vivres aux veuves et orphelins composés de riz, sucre, pain et autres. L'occasion faisant les larrons, cette généreuse fille de militaire a aussi remis des vivres aux malades internés à l'hôpital militaire central du camp lieutenant-colonel Kokolo et du centre médical opérationnel de la base aérienne de Ndolo. Prenant la parole, le directeur chargé de la logistique de l'hôpital militaire central, le colonel Guy Boduka, a, au nom du commandant de ce grand établissement sanitaire, remercié l'initiatrice pour sa générosité. Au cours de son passage dans ces structures médicales, Madame Tina a payé les frais d'hospitalisation de quelques patients et des accouchés qui se sont exprimés en ces termes. Cette visite de courtoisie de deux jours entre dans le cadre de pérenniser les actions sociales de la fondation de cette association. Madame Denise Moulimbi, décédée il y a peu au profit de veuves et orphelins des militaires et policiers. À la fin de sa visite, la présidente de la NEMVOP a donné la quintessence de son déplacement dans les camps militaires. Congolaises, Congolais, armées recrutent pour répondre à la mobilisation générale décrétée par le président de la République et commandant suprême, venez massivement vous enrôler au sein des FARDC pour défendre la patrie. Pour ce recrutement, les conditions exigées sont les suivantes. Être de nationalité congolaise, être âgé de 18 à 25 ans, être célibataire, sans enfants et volontaire, avoir une bonne moralité, avoir fait au moins 4 ans post-primaire, être physiquement et mentalement apte, être sans antécédent judiciaire. La force aérienne recrute les candidats pilotes et techniciens d'aviation et la force navale les candidats fusiliers marins et autres techniciens de la marine. Présentez-vous dans les états-majors des régions militaires, de la force aérienne, de la force navale, au bureau des territoires et partout où se trouve les structures de l'armée pour se faire enrôler. Pour la ville province de Kinshasa, le recrutement se fait à la grande parade du camp lieutenant-colonel Kokolo et dans les maisons communales de Massina, Mongafula et Barumbo. La patrie a besoin de ses dignes filles et fils pour sa défense. Hâtez-vous. Boya ebele totombola bendele ya mboka na biso.